Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission à l'origine. Comme en témoignent beaucoup d'objets ou de manuscrits, la présence juive au Moyen-Orient s'imprègne des cultures locales. Les synagogues ou les manuscrits témoignent de cette rencontre entre le judaïsme et le monde arabe. La Guénisa du Caire, étudiée dès la fin du 19e siècle, Recense environ 380 000 manuscrits juifs datant de 870 à 1880. Un témoignage exceptionnel de la vie juive depuis le IXe siècle. J'ai le plaisir pour en parler de recevoir Sonia Felous, chercheur du CNRS. Sonia Felous, bonjour. Bonjour. La Guénisa du Caire a révélé des trésors. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une Guénisa et celle-ci en particulier quand on parle de la Génisa de la synagogue Benazra, celle de la vie juive au Caire. La découverte de cette Génisa, c'est-à-dire de cet endroit qui était une, une espèce de cimetière décrit en hébreu, en caractères hébreux plus précisément, euh, a été une révélation pour le monde juif en ce qu'elle a euh, offert euh, N'est-ce pas, à, à, aux chercheurs, euh, tous les témoignages de la vie juive dans, dans toutes ses dans, dans toutes facettes. Non seulement la vie religieuse, la vie intellectuelle et littéraire, mais aussi la vie quotidienne, la vie commerciale, la vie sociale parfois même des témoignages personnels des, 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 des gens qui écrivaient à leur famille et dont les lettres arrivaient au Caire, envoyées d'un peu partout dans le monde arabe, qui témoignent de l'attachement des uns aux autres, mais aussi des inquiétudes qu'avaient par exemple les Juifs qui étaient au Caire à un, à un de leurs retours de voyage, sur la route du retour, et qu'ils apprenaient qu'il y avait une persécution contre les Juifs de Madia, par exemple, je pense à ça ce juif de tunisie qui est parti pour un long moment faire du commerce international qui revient au caire avant de s'embarquer pour la tunisie et qui apprend qu'il y a une persécution contre les juifs par les Almorades entre kérouan et, euh, et madia ou les ilaliens et la famille écrit pour dire nous sommes saufs nous nous sommes réfugiés à madia et ça on trouve dans la Ganiza du caire on trouve des poésies amoureuses on trouve des, des témoignages mais de tout des recettes euh, des, parfois même des, des recettes d'encre pas seulement des recettes de nourriture enfin toutes sortes de choses dont les écrits ont été conservés parce que ne fallait pas que le, la, le nom de dieu qui pouvait toujours être inscrit dans une lettre même personnelle on écrivait toujours à, au nom de Dieu, ou avec l'aide de Dieu, ou quoi. Il ne fallait pas que le nom de Dieu se perde. Vous savez que l'écrit en lettres hébraïques ou les caractères hébreux hein, sont considérés quasiment comme sacrés à partir du deuxième siècle de notre ère, sur la base d'un verset biblique du Deutéronome en disant que les tables de la loi ont été écrites de, du doigt de Dieu. Et du coup, la, la mystique juive a attribué un statut spécial à l'écriture, comme étant une partie de la création divine. Et à ce titre elle a le même traitement que pour le corps humain. Autrement dit, ce qui est écrit en hébreu ne se détruit pas, il s'enterre comme le corps humain. Et la Ganisa, qu'est-ce que c'est Probablement un endroit où on entreposait les, les manuscrits dont on n'avait plus l'usage, et qui, quand elle était pleine, eh bien, était vidée et les manuscrits étaient enterrés. Quel type de documents ont été retrouvés On parle de Ketubot, on parle de manuscrits sur le commerce, on parle de... Écoutez, c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est la première fois qu'on a 4, 380 000 pièces, Ce qui est absolument énorme, qui témoigne de tout. Alors, on a des écrits rabbiniques, on a des écrits, on a des fragments de la Bible, on a des fragments du Talmud, on a des récits de halacha, des textes de halacha, de juridiction donc rabbinique, on a des échanges de responsables entre les communautés, on a des lettres de commerce. On a, je vous dis, des témoignages familiaux, personnels, de la poésie rabbinique, de la poésie euh, amoureuse. On a exactement un témoignage du, du quotidien d'un juif euh, au Caire et aussi sur le pourtour méditerranéen euh, entre le 9e et pratiquement le 19e siècle pratiquement le 19e siècle. On a par exemple trouvé cette magnifique carte de pèlerinage, des lieux saints, on a trouvé bah, des bottes, évidemment, euh, mais des documents beaucoup plus anciens parfois, hein. mais on a trouvé des choses extrêmement importantes, notamment euh, de la période de Maïmonide, on est au 12 siècle quand même. Euh, donc ces écrits-là, euh, qui sont une banque pratiquement aujourd'hui de données, D'ailleurs, qui offre du travail à des chercheurs depuis pratiquement un siècle. Et on n'a pas fini d'étudier tous ces fragments, 380 000, vous imaginez. À ce propos, on nous dit qu'on a retrouvé un document assez exceptionnel qui s'appelle Souvenir de pèlerinage en Terre sainte, qui date de 1800. Racontez-nous. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une vision aussi assez exacte de ce à quoi ressemblait la Terre sainte à l'époque. Et sur la vision un peu... Euh, enfin, Enfin, Oriental hein, de tous ces oui. lieux. Alors ce qui est, ce qui est formidable, c'est que finalement, on n'est pas choqué par le fait qui est qu le dôme de Mar sur la place du, du temple, parce que ce qui est important, c'est la place du temple. Et donc, on a tous ces lieux saints en Palestine, parce que qu'est-ce qu'on apprend par là C'est que le lien avec la Terre Sainte n'a jamais été rompu, et que régulièrement, je vous rappelle que ça remonte à l'Antiquité déjà les juifs reviennent en terre sainte régulièrement pour s'y installer ou pour des pèlerinages et ce, et ce papier là est la preuve d'abord de la religiosité des juifs de l'époque et de l'attachement absolument inébranlable à la terre d'origine. rejoins le nom de votre émission les origines sont, sont intimement et euh, ancrées dans la, la mémoire juive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence de, 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 juive sans le rappel de l'origine. Vous savez que c'est la fonction première du judaïsme rabbinique que la transmission. Et bien Ce qu'on voit avec ce plan de la Terre sainte, de, de, des lieux de saint en Terre sainte, c'est qu'on a la mémoire de tous les événements importants qui ont formé l'histoire religieuse d'Israël. Oui. Donc tous ces tombeaux de, de rabbins et de saints qui ont formé la culture juive, qui sont représentés sur cette carte avec les noms en hébreu et tout, et tout ça avec des croissants, des formes de mosquées, etc. On a même des, des, des panneaux de shabbat ou des parochotes où on représente le mont du temple avec la mosquée de Mar. Parce que l'important, c'était pas le fait qu'il y ait la mosquée d'Omar, au contraire, même la mosquée d'Omar venait là donner, une, comment vous dire, presque un cachet de sainteté du lieu. Vous voyez, le fait c'était la preuve même c'était bien le mont du temple. Et on avait marqué en dessous, non pas mosquée d'Omar, mais mont du temple. Incroyable. Et, et on représentait ça parce que c'était la réalité. Tout simplement, Albert Mémy vous aurait dit que le fondement même de l'œuvre de l'historien et même de l'écrivain, c'est de dire la vérité. Est-ce que vous donnez ces œuvres-là comme cette expo, c'est une photographie d'une réalité. C'est exactement comme ça que les gens voyaient ce qui existait. Eh bien, la mosquée d'Omar était sur le mont du Temple, et on allait vers le mont du Temple en pèlerinage. On a également euh, retrouvé dans la guénisa du Caire de la poésie hébraïque. De la poésie hébraïque, qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'époque C'est très intéressant parce que voilà, par exemple, un, un emprunt à l'islam. Dire. Absolument. C'est-à-dire ben, que c'est dans le, dans le, dans le, en islam, oui. dans le, euh, notamment justement euh, sous l'impulsion de ces califs extrêmement ouverts vers l'extérieur, je pense surtout à l'Espagne de Cordoue, hein, mm -hmm. mais pas seulement, à l'Égypte aussi, il y a cette euh, volonté d'arabiser, bah, hein, puisqu'on arrive dans des territoires qui ne sont pas arabes. Les conquérants viennent de péninsules arabique, mais conquièrent des peuplades qui ne sont pas arabes. Il y a des berbères, il y a... Tout ce que vous voulez. Et donc là, il faut arabiser et il faut enseigner la langue et il faut la, la, la passer. Et il y a une espèce, espèce d'ouverture vers l'extérieur et notamment on va démocratiser la lecture en, introdu en introduisant les voyelles, par exemple. C'est de là que vient la Massora, la Massore dans les Bibles. On va commencer à vocaliser les Bibles alors que les rouleaux ne sont pas vocalisés. Vous savez que l'hébreu, comme l'arabe, sont des langues consonantiques, il n'y a pas de voyelles. Ça veut dire que pour lire l'hébreu, en fait, il faut connaître l'hébreu par cœur, Beralpé, connaître l'oralité. La, 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 L'islam, est un peu pareil. Mais comme on veut arabiser, on va introduire la vocalisation pour passer au peuple. Et toute cette liturgie, par exemple, de, de Cordoue, je parle d'Ibn euh, Gavirol ou Yuda Alevi, tout ça est inspiré un peu euh, de la métrique arabe. Et de la poésie arabe. Vous voyez, il y a eu des interventions, il y a eu des inspirations, euh, absolument, des interpénétrations culturelles. Vous voyez, voilà un espace, par exemple, où les deux religions extrêmement monothéistes. N'oubliez pas que l'islam est quand même, du point de vue du monothéisme, beaucoup plus proche du judaïsme que ne l'est le christianisme. Et donc, il y a eu des interférences religieuses même qui se sont accordées. Et tout ça sous l'empreinte, disons de d'une ouverture intellectuelle en général générée dont le moteur était le califat. Et dans ces califats-là, souvent, les conseillers ou les plus proches financiers ou les vizirs étaient des juifs. Et c'est ceux-là qui ont impulsé le même mouvement d'ouverture intellectuelle, euh, littéraire, etc., que leur calife. Vous voyez Et ça marche autant pour la poésie que la littérature, que la musique. Pour tout. Et si vous prenez par exemple les écrits de Maïmonide... Euh, Maïmonide n'a écrit qu'en arabe, mais que en caractères hébreux. <laughs> C'est-à-dire <laughs> la langue arabe en caractères hébreux. Tous ses écrits de philosophie, de médecine, sans exception, à l'exception d'un seul, sont en langue arabe. Le seul qu'il ait écrit en hébreu, c'est le Mishneh Torah, le texte de Halakha qui a formé la conscience euh, juive moderne, disons, euh, et la pratique juive moderne. Enfin, entre le le 7e et le 15e siècle, on va dire que la, la plupart de la population juive vit au Moyen-Orient euh, Je dirais que du 7e jusqu'au 20e siècle, la plupart de la population juive au Moyen-Orient vit au Moyen-Orient. Peut-être pas autant qu'on on veut bien le dire, pas en nombre peut-être, mais en tout cas en pérennité, oui. Il y a une durée ininterrompue. Alors, en, matière de, en termes de nombre, euh, je ne sais pas s'ils étaient autant qu'en Europe, parce qu'on ne, ne comprend pas très bien justement la démographie des Juifs d'Europe. Euh, il y a un très grand nombre de. Il y a 6 millions de Juifs massacrés au XXe siècle. Donc, ce qui, si on compte la diaspora des Juifs du Moyen-Orient et du monde arabe en général, en gros, on la compte à un million de personnes. Mmh. Mais en tout cas, on peut dire qu'en effet, il y a de la présence juive en, en continu uniquement dans les pays arabes du. 7e l'islam jusqu'au jusqu 20e siècle, mais avec une présence juive sur le territoire non islamisé de quasi 2000 ans. On a des traces de la présence juive au moins 6 siècles avant l'islam. Vous pensez que c'est pour ça qu'on retrouve des manuscrits à cette époque qui sont dans les deux langues euh, Ou on mélange l'hébreu et l'arabe, en tout cas Non, je ne pense pas que ce soit à cause de ça qu'on les trouve. Je pense qu'on les trouve en hébreu et en arabe parce que l'arabe est devenu la langue de culture avec l'extension de l'islam. Et donc je, je pense qu'on les trouve en arabe parce qu'on a là le témoignage de la faculté absolument extraordinaire d'adaptation des juifs euh, au milieu dans lesquels ils se trouvent et aux cultures dans lesquelles ils se trouvent. N'oubliez pas qu'à partir euh, euh, du 3e ou 4e siècle, le Talmud de Babylone, qui a compris, au moment, je crois d'ailleurs, d'une persécution en, en Babylonie, que l'existence des juifs serait soumise à l'observance d'une règle. Dina, des malchuta, dina. C'est-à-dire, la loi du royaume dans lequel tu te trouves est ta loi. Et on parle de la loi générale, on ne parle pas de la loi religieuse. Il n'est en aucun cas question de halacha. C'est-à-dire que les juifs doivent se soumettre à la loi de celui qui règne et, dans son cadre personnel familial, rester juifs, évidemment. Mais d'avoir euh, inscrit dans l'éthique juive, dina, des malchuta, dina, a permis aux Juifs, finalement, de s'adapter au milieu dans lequel ils se trouvaient et de résister, en fait, et de durer en tant que Juifs. C'était ça qui était important, c'est qu'ils ne perdent pas leur judaïsme, avec peut-être l'espoir, un jour, de restaurer euh, le royaume. Merci. Je vous en prie. Merci, Sonia Felouz de nous prie. avoir euh, retracé euh, l'histoire de cette communauté des Juifs du Caire. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons. Prenez soin de vous.